Match de milieu de tableau entre Pau 8e et Amiens 11e. Deux points d'écart entre ces deux formations. Les Amiénois vont plutôt bien et espèrent en cas de succès doubler leur adversaire du jour au classement. Amiens reste sur 3 nuls à l'extérieur et sur 3 victoires à domicile. Pourquoi pas un succès maintenant à l'extérieur pour confirmer cette très bonne série. La première possibilité en faveur des Amiénois. Et le but après 8 minutes seulement, Matteo Pavlovic marque son deuxième but de la saison. L'ancien défenseur du SCO d'Angers bénéficie de cette balle dans la surface qui rebondit plusieurs fois. Il est en bonne position et peut frapper à bout portant sous la barre. 1-0 pour les visiteurs. Pas d'autre opportunité en première période. Le match est un peu terne et Amiens est en train d'en profiter. Pau n'a pourtant pas l'habitude de perdre. 2 défaites sur les 7 derniers matchs pour les Palois. Et ils ont envie d'accélérer en seconde période pour au moins égaliser. Sauf que les Amiénois continuent à avoir les meilleurs mouvements. En voici un de plus. Le joli centre. Le défenseur s'est raté. Et quelle parade de Bajic, le gardien de but de Pau, permet à son équipe de rester dans le match. Il s'interpose face à l'international congolais Shadrack Akolo. Très bonne performance de Stéphane Bajic. Ça redonne un petit peu d'énergie aux attaquants palois. La série de dribbles dans la surface, un accrochage. L'arbitre laisse jouer. Pas de pénalty, mais corner pour Pau. Bourgani Zungu demande un carton jaune pour l'adversaire en estimant que c'était une simulation. Il vient s'énerver du carton jaune reçu. Il en prend un deuxième quelques secondes après. Carton rouge contre le milieu de terrain sud-africain d'Amiens. À la 66e minute, c'est un tournant. Amiens se retrouve à 10. Bourgani Zungu n'aurait peut-être pas dû parler de nouveau à l'arbitre après avoir pris le premier carton jaune. Pau repart à l'attaque et réussit à égaliser. Farid El Melali met un but splendide à la 79e minute. SND lui donne le ballon en retrait et El Melali enroule. Le joueur algérien prêté par le SCO d'Angers réalise une très très belle action. Il est à l'initiative, c'est un 1-2. Il conclut sans contrôle. Premier but de la saison et premier but sous les couleurs de Pau pour El Melali. Un partout. L'infériorité numérique est en train de coûter cher aux Amiénois. Pau a retrouvé la confiance. Ballon encore récupéré par les Palois. Kassa sur le côté. Le centre et Samuel SND conclut. 5 minutes après l'égalisation, Pau a reversé le score et mène 2-1. Samuel SND pour son 4e but de la saison. Amiens menait 1-0 avant le carton rouge. Il a vraiment changé beaucoup de choses. Et Pau en profite en fin de match. Car Amiens ne se relève pas de ce deuxième but. Victoire de Pau, 2-1 contre Amiens.